Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toutes ? Non, une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Tu sais, mon petit QRL, j'adore quand tu viens me rendre visite à la grotte de retraite. Franchement, papy, tu t'ennuies pas à crever avec tous ces vieux d'avant le carbone 14? Tu m'étonnes. À Notre-Dame du Bon Fossile, je dois être le seul bipède qui n'ait pas déjà un pied dans la tombe. Hey, c'est marrant, ces silex carrés. C'est un modèle de quand t'étais jeune. Ah, mais ça, ça s'appelle un pavé URL. C'est un souvenir de mai 68 000 avant Jésus-Christ. Ne me dis pas que je t'ai jamais parlé de cette période. C'est votre espèce d'évolution ratée, non? On peut dire ça comme ça. N'empêche, sans le savoir, aujourd'hui, tu as hérité de beaucoup de choses conquises à l'époque. Il faut imaginer les mentalités de ce temps-là. Moins 68 000 avant Jésus-Christ, la Terre s'ennuie. Les mammifères primitifs reproduisent l'éternel modèle d'éducation du mâle dominant. Fais du bruit quand tu manges! Sans se douter que de grands changements se profilent à l'horizon. Sous les silex, la plage! Profitant d'une période interglaciaire, un groupe de jeunes hominidés se révolte contre l'ordre établi. Leur façon d'être bouleverse tous les codes. Signez la pétition contre la guerre du feu! Mais moins 68 000, c'est surtout un moment d'effervescence politique, de débat passionné. La vie en caverne est une déviation individualiste et néandertal traître. Bah, il faut convaincre les autres espèces de se joindre à la lutte. Si les amibes se mobilisent, on peut renverser tout le système réactionnaire du vivant. Les amibes? Mais il n'y a pas plus petit bourgeois que les amibes. Très vite, la contestation s'étend et descend dans la rue. Erectus, les gars! Bourgeois les copains sur les barricades! Le matin du 2 mai, les hominidés, armés seulement de pierres et de bâtons, affrontent les forces de l'ordre, elles-mêmes seulement armées de pierres et de bâtons. C'est là que les manifestations ont pris de l'ampleur. Une seule solution, l'évolution! Une seule solution, l'évolution! Cours, Homo Erectus! Le vieux monde est derrière toi! Mais pendant ce temps, en haut des arbres, la riposte s'organise. Ça ne peut plus durer! De quoi? Lâchant les darwinistes! Tu ne comprends donc pas? Ça commence par l'âge de pierre, et après vers l'âge de bronze, et ça mène directement aux années de plomb! Mais vous ne croyez pas qu'on devrait laisser pourrir la situation? Le coup de l'extinction, ça a bien marché avec les dinosaures. Dis-toi bien quelque chose, fiston. Si tu ne t'occupes pas du paléolithique, c'est le paléolithique qui s'occupera de toi. Ah, je te jure, URL, cette année-là, on est vraiment passé pas loin de l'évolution. Mais en fait, papy, ça s'est fini comment? Oh, bien. C'était la fin de l'ère glaciaire. Tout le monde est parti en vacances.